J'adore les mariages. Vraiment, je pourrais y passer toute ma vie. C'est magique quand des familles et des amis se réunissent pour voir deux personnes se promettre de s'aimer pour toujours. Oh, c'est pas moi là. Je suis par ici. C'est moi, Jessica Parks. Comme je l'ai dit, j'adore les mariages. J'aime tellement ça que tous mes amis veulent que j'organise le leur. Et je me débrouille plutôt bien. Ces moments adorables. Vous voyez de quoi je parle? Quand la mariée a soudainement envie de mettre du gâteau sur le marié, c'est bon. Oui, je l'ai prévu. L'heure, l'angle de la photo, la position du gâteau, absolument tout. Attendez. Une seconde, je vous le rends. Oui, là, c'est parfait. C'est bon, allez-y. Bien reçu. Merci. Tout ce qui se passe pendant le mariage, c'est forcément moi qui l'ai prévu. Salut. C'était super. Oh oui, je trouve aussi. Hé, hey Michel, ton plat vegan va arriver. Merci. Le meilleur photographe de toute la ville. On a de la chance. Mmh, les cupcakes sont délicieux. Merci d'avoir aidé Tina à organiser. Heureusement que t'étais là. J'étais pas toute seule. En réalité, je veux pas paraître prétentieuse, mais j'ai tout fait de A à Z. Toi, au moins, tu es sûre d'avoir un beau mariage. Quand ça arrivera. Ben. Oui, évidemment. Lui, c'est Rob, mon petit ami. Hey. On n'est pas ensemble depuis très longtemps, j'aurais peut-être pas dû l'inviter. Mais ça colle si bien entre nous. Je me suis dit qu'un mariage, ça nous rapprocherait. Non? Hey. Hey. Je crois qu'on devrait rompre. Ça, je l'avais pas prévu. Pourquoi? Écoute, c'est pas ta faute, je te jure. T'es une fille géniale. Bah, si je suis si géniale, pourquoi tu veux rompre? Je comprends pas. Je trouve juste qu'entre nous, ça a jamais vraiment collé. Et puis, je viens de tomber sur mon ex-petite amie. Donc, Crystal avec un K est ton ex, ok. Et je crois qu'il se passe un truc entre elle et moi. Ouais, donc, je vais plutôt rentrer avec elle. Oh, c'est toi qui m'as amenée? Oui, mais... C'est bon, je prendrai un taxi pour rentrer, vas-y. Oh, c'est vraiment sympa, Jess. Merci. Je voulais aussi retourner au buffet parce que ces cupcakes sont délicieux. Oui. Et il y a aussi des boîtes, si tu veux. Non, non, c'est bon, on va les manger ici. Oh. C'est super ce que t'as fait à ce mariage. Tu peux vraiment être fière de toi, tu sais. Je te jure, c'est super. Oh, ok, c'est pas la peine. Merci, Liam. À la nôtre. Molly, t'as la forme, dis donc. C'est prévu pour quand? Dans 4 semaines. Génial. J'ai hâte de voir le petit, ou la petite. Hé, hey, Ted. Merci d'avoir filé un pass à ma cousine, mec. C'est vraiment cool. Rien. Tu sais, j'ai le bras long. C'est moi, le Ted, dont tout le monde parle. Jess, ça va? Il m'a largué. Ouais, Rob m'a largué. C'est cool. Je suis désolé. Il avait l'air gentil. Ouais, il était très gentil. T'as rien vu venir? Comment ça? Ok, non, non, je suis désolé, j'ai rien dit, suis-moi. Je vais m'occuper de toi. Rien vu venir. C'est du café? Non, c'est de l'eau. Il faut s'hydrater pour aller mieux. Bah. Merci. Alors,
Raconte-moi, il a rompu pendant le mariage ? Il a rompu pendant la réception. Mmh. Il s'est retenu pendant la cérémonie, donc c'est plutôt sympa. Ouais, trop sympa. Je trouve que c'est un crétin. Il te mérite pas et tu devrais l'oublier. Jess, tu es attentionnée, tu es intelligente et superbe. N'importe quel mec rêverait d'être avec toi. N'importe qui, sauf Rob. Oh, oublie-le, ce type. Tu vas trouver mieux que lui, je te le promets. T'as toujours été là pour me soutenir. T'es toujours là. Bah, toi, t'es là pour moi. On est amis, c'est normal. Tourneau. En parlant de ça, je réfléchis beaucoup ces derniers temps. En fait, je pense à ma vie, à l'amour et à l'amitié. Tu te souviens de la fois où on a séché au lycée? Oui, on s'était éclaté. On était allé au ciné pour voir Underworld. Underworld. T'es tombé amoureux de Kate Beckinsale. Ouais, et toi de Scott Speedman. Ouais. Mais j'étais jeune, ok? Ça venait naturellement, c'était magique. Et tu vois, c'est ce que je recherche dans une relation. Je la veux, cette fameuse magie. Jess. Oui? Je suis fiancé. Oh. Waouh! Je sais, c'est dingue. Quoi? Avec qui, quoi? Et plutôt soudain, c'est vrai. Enfin, félicitations! Merci. Je savais même pas que tu voyais quelqu'un, tu me le dis d'habitude. Non? Oh. Je sais bien, oui. Le truc, c'est que j'avais peur que tu désapprouves. Comment ça, pourquoi je désapprouverais? Je la connais. C'est pas l'une de tes ex, si? C'est Amanda? Parce que je veux que tu sois heureux, mais pas avec elle. Non, 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 c'est pas Amanda. Et celle qui faisait des poupées trop glauques en porcelaine, là, comment elle s'appelait déjà? Terry. Terry? Non, c'est pas elle. Ok, elle était trop bizarre. C'est Kimberly Kentwood. Kimberly Kentwood, la pire peste du lycée Kimberly Kentwood. Waouh, j'aurais préféré cette folle de Terry. Écoute, je sais ce que tu penses, mais elle a changé du tout au tout. Tu la reconnaîtrais même pas. Elle a changé de tête? Oh, non, non, là-dessus, c'est pareil. C'est un peu bizarre. On est sauvés, alors, si elle est toujours aussi sublime. Non, mais... T'as oublié l'époque du lycée, quand t'étais Big Ted et qu'avec ses amis, elle se moquait tout le temps de nous? Mais tout le monde se moquait de moi parce que j'étais Big Ted. Non, pas tout le monde. Oui, bah moi, j'ai maigri et elle... C'est plus une sale... C'est devenu une fille géniale. Elle sort tout juste d'une longue relation, elle s'est beaucoup remise en question et ça l'a vachement changé, je te jure. Ok. Si t'es vraiment convaincu que la peste en chef a changé... Alors, je veux bien le croire. Merci. Il y a autre chose. Je sais que t'adores organiser des mariages et t'es douée en plus. Oui. Et t'es ma meilleure amie. T'entends ça, Kimberly Kentwood? Est-ce que tu veux être ma témoin? Quoi? Comme un témoin, mais en femme. Merci, je sais ce que c'est. Ok, et donc? Donc, je... Oui, avec plaisir. C'est d'accord. Trop bien. Trop bien. Je vais organiser tout ton mariage avec Kimberly Kentwood. T'as répondu quoi? C'est mon meilleur ami, donc j'ai dit oui. C'est pas la joie, Jess. À nouveau seul. Check. Des cupcakes pour dîner. Check, check. Et ton meilleur ami trop sexy qui t'annonce qu'il va se marier avec la peste du lycée. Me force pas à encore dire check. Il t'a jamais intéressé, toi? Qui? Ted? Ouais, Ted. Tu dis tout le temps qu'il est génial et vos enfants seraient trop mignons. Ok, non, arrête. Je disais ça comme ça. Oh, et les cupcakes au dîner, tu devrais peut-être éviter. Enfin, tu vois. Oh, trop bon. Et il a rompu au beau milieu du mariage? Eh bien, pour être exact, c'était à la réception, mais... Oui. Elle a dit que c'était à la réception. Sois attentive, Béatrice. Oh, je suis très attentive. Alors allume donc ton sonotone. Et Jessica, s'il vous a laissé tomber, alors c'est une ordure. J'en connais d'autres, moi, et elles sont pas loin. Mesdames, je crois que le vrai problème, ce sont les fiançailles de son ami. Je me trompe, Jess? Non. Parce que
Ted est un mec génial et je veux qu'il soit heureux. Sincèrement, mais pas avec Kimberly Kentwood. Elle aussi a l'air d'une vraie ordure. Bon, on va peut-être se calmer un peu là, d'accord? On ne doit pas insulter tout le monde, Doris, mais... Ouais, c'est vrai que c'est une ordure. Au lycée, en tout cas. Mais en tant que meilleure amie, vous allez soutenir Ted et prévoir un beau mariage, non? Ouais, évidemment, monsieur Mulligan. Mais ça craint, c'est tout. Je crois que j'ai une idée. Trouver quelqu'un que Ted détestait au lycée et fréquentez-le. D'accord. Merci, Doris. C'est gentil, je garde l'idée. Disons que ce sera mon plan B. Tu ne comprends rien, Doris. Jess aime Ted. Non. Non, non. Non, non. Non, non, j'aime pas Ted. Enfin, pas comme ça, en tout cas. On est amis, c'est tout. Je trouve cette histoire très compliquée. Je vais aller prendre un cookie à la cuisine. Allez, viens, Béatrice. Suis-moi. Oui, d'accord, mais faites attention à ne pas manger trop de sucre. Surtout vous, Doris. Vous ne vouliez pas de cookies? Croyez-moi, j'ai mangé bien assez de cookies pour toute une vie. Les mauvais moments nous font apprécier les bons. Et n'oubliez pas, vous êtes toujours amis. Peu importe qui l'épouse. Oh, la parole du vieux sage. C'est l'un des avantages d'être ici depuis si longtemps. Ça, et les cookies gratuits, bien sûr. Jess, ma chérie, comment ça va? Ça va et toi? Oh, j'ai du mal à croire que Teddy va se marier. Je me sens si vieille. Oh, mais non, tu fais la moitié de ton âge. Oui, ça c'est vrai. Tu veux manger un bout? Non, je vais aller dans mon ancienne chambre et attendre que Ted et sa fiancée débarquent. Oh oui, sa fiancée. Elle était au lycée avec vous, non? Est-ce que tu te souviens d'elle? Pas trop. Oh, Ted. Oh, Jessica. Salut. Comment ça va? Kimberly Kenwood est là. Je te présente la mère de Jess. Ah, c'est un plaisir. Oh, pour moi aussi. Et d'ailleurs, elle est où, Jess? Elle est dans sa chambre en haut. Mais elle a dû vous entendre. Ma chérie. Bien joué. Tu sais plus descendre des escaliers. Ted, ne te moque pas de ta témoin. Salut, Kim. Ça va? Jessica, on est de vieilles amies. Oh. Des amies. OK. Eh bien, félicitations. C'est gentil. Sincèrement, j'aurais jamais cru que je me marierais un jour. Surtout avec un homme aussi parfait. Bon. C'est vrai qu'il est parfait. Vous êtes trop gentille. Non, pas du tout. T'es un mec génial. Vas-y, toi, dis-lui. Quoi, Ted? Oui, évidemment, il est plutôt cool. Merci de ton incroyable soutien. Ça elle rigole, ça va. Allez, Jess, personne ne connaît Ted mieux que toi. Oui, c'est vrai, Ted est l'homme que toutes les filles rêvent d'avoir. Wow, je veux dire, il faut aimer le côté grand, hyper beau, sympa, ce genre de choses, mais c'est pas ce qui me branche, moi, non, désolée, c'est pas mon genre, mais si c'est le tien, génial, tant mieux pour toi, hein. Ok, on s'y met, ça vous dit? Ouais. Oui. Allez.
Alors, déjà, on va installer la table principale ici. Ensuite, on va mettre le bar dans ce coin-là et il y aura du poulet frit pour tous les invités. C'est le futur marié qui a choisi le repas. Eh quoi, j'adore le poulet frit. C'est presque une obsession, je dirais. La chance que j'ai dit oui pour ça. Oh, tu sais ce qui serait génial? Qu'on ait des guirlandes lumineuses. Je me disais la même chose. Et il nous faut ces vieilles ampoules où on peut voir le filament. Comment ça s'appelle? Des ampoules Edison. Oui. Ouais. On forme vraiment une super équipe. Je suis heureux que les deux femmes qui comptent le plus pour moi s'entendent aussi bien. Tiens donc, les deux femmes qui comptent le plus. Je ne me rappelle pas les avoir vues quand j'ai dû passer 12 heures en salle de travail pour toi. Oui, je voulais dire après toi, maman. Je n'en doute pas un instant. Bonjour, madame Cooper, comment ça va? Ma petite Jessica. Ça faisait si longtemps. Ah, et la voilà, ma future belle-fille. Gail, je suis contente de vous voir. En parlant des femmes de ma vie, on a prévenu mamie pour la fête de fiançailles? Oh oui, elle a besoin de quelqu'un pour aller la chercher. Ah, je m'en occupe. T'es sûre? T'as déjà beaucoup de choses à prévoir. Donc... J'adore ta grand-mère, je vais trouver quelqu'un pour passer la prendre. Ok, merci. Vous avez bientôt terminé? J'ai très envie de montrer ton ancienne chambre à Kim. Wow. Avec plaisir. C'est bon, je crois qu'on a fait le tour, donc... Oui, vas-y, va lui montrer ma chambre. Moi, j'ai encore une chose à voir avec Jess. Très bien. De quoi tu parles? Viens, je vais te montrer. Oh, tu m'emmènes? Tu verras bien. Bon, d'accord. Tu veux monter là-dedans? Oui, pourquoi pas. C'est mon endroit préféré depuis toujours. Ok. Allez, viens. Ça n'a pas changé, c'est dingue. Depuis le temps, ça me rappelle tellement de souvenirs. Oui, moi aussi. Tu me disais que je devais ignorer tous ceux qui m'appelaient Big Ted. Ouais, toi tu me jurais que Billy Clark m'aimait bien. Mais étrangement, on n'est jamais sortis ensemble. Parce que tu mérites mieux que Billy Clark, tu peux me croire. Et maintenant, on organise mon mariage. Ouais. Avec Kimberly Kentwood. Ouais, c'est fou. Quand je pense au temps qu'on a passé à l'insulter, et moi je vais l'épouser. Tu te souviens de la fois où elle et ses deux amis... Comment on les appelait déjà? La paire de mes gères. Ouais, je me souviens très bien d'elle. Ouais. Mais c'est plus pareil aujourd'hui. On a changé. Ouais. Honnêtement, je trouve ça dingue que tu m'aies rien dit pendant aussi longtemps. C'était pas facile. Je voulais vraiment t'en parler. Mais je savais pas comment t'allais réagir. Tu es ma meilleure amie. Tu es une femme incroyable. Tu comptes beaucoup pour moi. Ok, tu vas me faire pleurer. Je suis sérieux. T'es ma meilleure amie. Et je t'aime. Enfin, non, je veux dire, je t'aime pas comme j'aime Kim, évidemment, mais... Évidemment. C'est génial ici. Je sais pas quoi faire, je crois que je cours à la catastrophe. Pour organiser la fête? Non, ça va. Est-ce que cette Kimberly est toujours une ordure? Non, Ted avait raison, elle est devenue super gentille. Alors quel est le problème? Je crois que je suis amoureuse de Ted. Je croyais que vous n'étiez qu'amis. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis à discuter du passé, des souvenirs qu'on a eus tous les deux, et c'est là que je me suis dit... qu'il était vraiment génial et qu'il compte beaucoup pour moi et qu'il... Jessica, quand on apprécie quelqu'un et qu'on l'admire, ça ne veut pas forcément dire qu'on est amoureux. Vous croyez? Écoutez, vous allez passer beaucoup de temps avec Ted jusqu'au mariage. Mettez ce temps à profit pour démêler ce que vous ressentez pour lui. Oh. Tout va s'arranger. Allez, on s'accroche. C'est bon, madame Cooper, vous avez branché toutes les lumières? C'est branché, on peut y aller. Allez-y, monsieur Cooper, vous pouvez allumer.
Jessica Parks. C'est moi. C'est vraiment un don chez toi. C'est gentil, merci. J'ai hâte de voir ce que tu prépareras le jour de ton mariage. Ouais, on verra. Hé, hey, Jessica. Salut. C'est magnifique. Merci, Kim. Et les lumières? Oui. T'as trouvé des ampoules Edison? Tu te souviens de Megan et Lorraine? On était au lycée ensemble. Oui, Megan et Lorraine. Bien sûr que je me souviens de vous. Les filles, vous vous souvenez de Jess? Ted et Jess sont amis depuis... quoi? Depuis toujours, en fait. Oui, on peut dire ça. Oui, je me rappelle. Vous étiez quasiment toujours fourrés ensemble au lycée. Oui, effectivement. C'était avant que Big Ted perde du poids et devienne ultra beau gosse. Beau gosse et riche, en plus. Mais toi, t'as pas changé. Merci. En fait, je crois que Lorraine voulait dire que tu es aussi belle que tu l'étais à l'époque. Tu n'as pas pris une ride. Oui, c'est bien ça, Lorraine. Bien sûr. Bonsoir. Hey. Ça va? Oui. Salut, toi. Salut. Ça va? Oui. Jess, je crois que j'avais jamais vu cet endroit avoir l'air aussi enchanteur. Enchanteur? Oui, enchanteur. Bon, on va pour enchanteur. Merci. Oui, Jess, merci pour tout. Au fait, vous avez vu mamie? Ta grand-mère? Non, mais Jess avait dit qu'elle s'en occupait. T'as bien envoyé quelqu'un, non? Oui. Elle devrait plus tarder, alors. Je peux l'appeler, si tu veux, pour savoir où elle en est. Oh, non, 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 c'est bon, je vais les appeler, je vais... pour être sûre. Bon, en attendant, on peut prendre un verre, ça vous dit? Ah oui, génial, ça vous tente, les filles? Oui, oui, excellente idée. Allons-y. Allô? Oui, c'est Jess, c'est entièrement de ma faute, désolée. Vous serez prête dans combien de temps? Je suis... C'est parfait. J'envoie quelqu'un pour vous récupérer d'ici 20 minutes. Ah, très bien. Salut, vous êtes bien chez Jess et Blair. Laissez un message. C'est pas vrai. Allô? Hé, c'est moi. J'ai besoin de vous. Ça va? Mamie va venir, c'est bon? Ah oui, le chauffeur s'était trompé d'adresse. Elle devrait pas tarder. Génial. Heureusement que t'es là, toi. Tu me connais, toujours sur le coup. Je crois que Kim avait un peu peur qu'on fasse cette fête chez mes parents, mais c'est vraiment bien en fin de compte. Hein. C'était une super idée. T'as vécu tellement de choses ici. Non, on a vécu tellement de choses ici. J'ai cherché des vieilles photos pour essayer de faire une sorte de montage pour la réception. Ça, à un mariage, ça marche toujours. En tout cas, il y avait plein de photos de nous deux. J'adore celle-ci. Tu te souviens? C'était pour mes 12 ans. Et la photo a été prise juste ici. Waouh! Mais on était trop cool et ça a pas changé. Oui. Ça fait plaisir de revoir ça. C'est clair. C'est un bon souvenir. Elle a pitié. Elle a vraiment aucun respect. Elle a pas honte devant tout le monde. Vous savez, les ampoules, c'était mon idée. Franchement, ça va bien. Elle s'imagine pas que je ne pas faire pour ça. Je peux savoir de quoi vous parlez? De rien, ça y est. C'est rien. Les filles, c'est bon, dites-moi. Ted est génial, y a pas de souci. D'accord, et donc? Mais sa copine Jessica... Eh bien quoi? Eh ben, quand on était au lycée, elle le suivait partout comme un petit chiot perdu. C'était son meilleur ami? Justement, tu devrais t'assurer qu'elle ne s'imagine pas autre chose. On essaie seulement de te protéger. Rien d'autre. Je dois répondre, mais va profiter de ta soirée. D'accord.
C'est bon. Oh, Patrick. Eh bien voilà, parfait. Patrick. Et une livraison de grand-mère. Le trajet s'est bien passé? Oui, un peu mieux. Oh, je n'avais pas autant ri depuis longtemps. Oh, viens me faire un câlin. Oh. Je suis contente de vous voir. Ils sont dans le jardin. Allez-y, je vous rejoins dans deux petites D'accord. minutes. Je me dépêche. Oh, Monsieur Mulligan, en scooter, non, c'est pas sérieux. Mais j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit le bus de la maison de retraite. Oh, bon, elle n'a rien, elle est là, tout va bien. Alors dites-moi, comment avez-vous pu l'oublier? Je sais pas, j'ai fait une erreur. La Jess que je connais ne fait jamais d'erreur pour un mariage. C'est vrai, mais n'allez pas vous imaginer des choses. Et merci en tout cas, je commanderai un taxi moins dangereux tout à l'heure. Et s'il n'y en a pas, rappelez-moi. Je vais d'abord leur montrer le jardin où on met les tentes en général. Oui, on va pas tarder, j'attends juste tes mariés. Je te laisse. Salut. Salut. Il est où, Ted? Oh, il est un peu en retard, il va nous rejoindre. Ouais, ok. Bon, ça nous donne l'occasion d'apprendre à mieux nous connaître. Oui. Vas-y, je te suis. Donc, on va séparer les chaises en deux pour les invités de chaque mariée et ça fera une allée pour mener à l'hôtel. Et la cérémonie se tiendra là. Comme ça, ça nous donne un super cadre pour les photos. Jess, c'est magnifique. Il faut que je t'avoue quelque chose. Quand j'étais petite, je mourais d'envie de me marier au château Saint-Joseph en centre-ville. Oui, je crois que c'est un rêve qu'on a toutes fait. Mais je sais pas, ils n'acceptent plus les mariages, je crois. J'ai déjà essayé, c'est quasiment impossible. D'accord. Bon. C'est un super second choix. Ouais, je trouve aussi. À part ça, toi et Ted, pourquoi vous êtes jamais sortis ensemble? Oh, parce que il y a que de l'amitié entre nous. Rien d'autre. J'en sais rien. Je demande parce que j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes vraiment faits pour être ensemble. Oui, on nous pose souvent la question, mais non, c'est parce qu'on ressent l'un pour l'autre. Enfin, Ted est génial, c'est sûr. Et je suis loin d'avoir assez de mecs géniaux dans ma vie, c'est vrai. Désolée, Jess, c'est mon ex. Je dois répondre, excuse-moi. Ok. Quoi? Non. Je te l'ai déjà dit, je veux pas parler de ça avec toi. Pas la peine d'insister, c'est non. Est-ce que tout va bien? Non, mon ex s'amuse à me pourrir la vie, figure-toi. Oh, si tu veux, on peut finir la visite un autre jour. Non, je vais bien, mais je veux que tu sois honnête avec moi, Jess, s'il te plaît. Tiens, voilà Ted. Écoute, avant qu'il arrive, il faut que je sache. Est-ce que t'es amoureuse de Ted? Non, bien sûr que non, je suis pas amoureuse. Salut, Ted! Hey, salut! Salut! Désolée du retard. T'en fais pas. C'est magnifique ici. Mais oui, t'as vu ça? Ouais. C'est parfait. Ok. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer où on installera la tente du dîner. Super. D'accord. Merci beaucoup, Jessica. Ça va? Oui, ça va. Ok, c'est parti.
Je lui ai menti. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai menti sans hésiter. Calmez-vous un peu. Vous avez encore un peu de temps avant le mariage. Ouais. Ce que vous ressentez est peut-être innocent. Oh, j'ai des sentiments pour un homme qui va se marier. C'est pas innocent. Non, vous croyez avoir des sentiments pour lui. Jessica, quelqu'un que vous connaissez depuis toujours et qui compte beaucoup pour vous va se marier. Ouais, c'est le problème. Non, c'est la cause de vos sentiments. Comment ça? Vous affrontez des turbulences en ce moment. La rupture qu'on vous a imposée vous a amené à ressasser le passé. N'importe qui se sentirait perdu à votre place, c'est normal. Ouais, c'est vrai que j'ai affronté... C'était quoi le mot? Des turbulences. Des turbulences. C'est pour ça que vous aviez la tête ailleurs et que vous avez oublié d'aller chercher la grand-mère de Ted. Oui, je sais, mais c'est fini. Parce qu'à partir de maintenant, je vais être hyper concentrée. Oh, zut. Vous avez fait une nouvelle erreur? C'est bon. J'ai une solution. Merci. Salut! Salut, Jess. C'est quoi, ça? C'est cool, hein? Oui, c'est parce que j'avais imaginé quand tu nous as dit que t'avais préparé une surprise. Sans rire, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas pu avoir le bus que j'avais loué, mais c'est bon, j'ai pris celui du boulot. Tous à bord! Ok. Au fait, c'est l'acompte pour la réservation des jardins. Il leur faut absolument d'ici mardi. Ok, je m'en occupe. Merci. Et alors, où tu nous emmènes? T'en fais pas, tu vas adorer. Génial. En route, alors? Allez! C'est parti! T'es sûr de ton coup? À 100%. On va s'éclater. Bien, je vous ai expliqué les règles, et vous savez tous comment ça marche. On va les écraser. L'équipe de la mariée contre celle du marié. Alors, bonne chasse à tous! Non? Oui, j'avais toujours voulu essayer. Comment tu le savais? Je suis quand même ta témoin. C'est mon job de savoir ça. Tu sais ce que ça me rappelle? L'anniversaire de tes 10 ans. Ouais. La bataille de Bombao. Oh non, c'était pas qu'une bataille. C'était une vraie guerre. J'aurais pas cru que les losers qui traînaient avec Ted au lycée étaient bons. Ping-pong. Je pense qu'ils en profitent un peu pour se venger de la manière dont on les traitait à l'époque. Ouais, surtout toi, Lorraine. Hey! Ben, il faut bien avouer qu'on était odieuses. Je suis contente qu'on ait évolué. Certaines plus que d'autres. Hey, je suis hyper gentille. Parfois. Ouais. T'es une vraie sainte. Je vais aller jeter un œil voir si on peut avancer. On peut pas avancer. On peut pas du tout avancer. Ils ont vraiment une dent contre toi. Et en parlant de loser qui était au lycée, est-ce que t'aurais pas oublié de garder un œil sur la témoin de ton fiancé? Non. On a discuté l'autre jour, ils sont juste amis. Elle est pas amoureuse de lui. Ah ouais, t'en es bien sûre? Ils ont l'air plutôt proches, là, non? Quoi?
c'était pas ma meilleure idée. C'était trop bien, j'avais adoré cette fête. J'en ai jamais fait de meilleure. J'ai mangé tout mon gâteau, j'en avais plus. Ah, oui, mais bon, j'étais Big Ten. Hein. C'était mon truc. J'avais faim, il était trop bon. Non, il s'amuse, c'est tout. Comme tout le monde, d'ailleurs, vous devriez peut-être essayer. On est là pour ça. Je sais m'amuser, tu vas voir. Oh non. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle fait? Hé, hey, vous deux, sincèrement désolé. Jess, attention. Je viens de te sauver la vie, là. C'est mon héros. Venge-moi. Je t'avais prévenu. Ted pense peut-être qu'ils sont juste amis, mais elle, ça se voit qu'elle veut plus. Je croyais que t'essayais de devenir quelqu'un de gentil. Je suis une fille super gentille. Oh, 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 oh. Ouais, super, on les a eus. Ouais. Non, on s'était mis d'accord sur ce qu'on faisait de la maison. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Brian, tu peux arrêter de jouer les gamins. Brian! Brian! Hey, Kim. Est-ce que ça va? Non, mon ex fait absolument tout ce qu'il peut pour me gâcher la vie. Je suis désolée. Hésite pas si je peux t'aider. Non, tu peux rien y faire. Tu sais quoi? En fait, si, tu peux faire quelque chose. Tu pourrais essayer de pas être amoureuse de mon fiancé? Kim, je te l'ai déjà dit, on est seulement amis. Mais tu m'as menti. Et tu peux arrêter parce que ça se voit que t'as des sentiments pour lui. Non, j'ai aucun sentiment pour lui. Je vois bien comme tu le regardes, à l'instant, quand il était allongé sur toi. Wow, qu'est-ce qui vous arrive? Tu lui dis, Jessica, ou c'est moi qui le fais? Qu'est-ce qu'elle doit me dire? Ta meilleure amie est amoureuse de toi. Jess, c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Non, et tu le sais. J'ai vu comme elle te regarde. Jess? Bon, écoute, Ted. Toi et moi, on est amis depuis toujours. Et en ce moment, c'est une période compliquée pour tout le monde. Et pour moi aussi. Mon meilleur ami va se marier, c'est pas rien. Et avec une femme incroyable. Oui, c'est vrai, t'étais méchante au lycée, qui me mettait à raison. T'es devenue quelqu'un de génial. Et moi, qu'est-ce qui me reste? Je sais bien qu'on se verra moins qu'avant. Jess, t'en fais pas. Non, c'est bon. J'ai beaucoup réfléchi et je suis vraiment heureuse pour toi. Et je veux que ton bonheur. Mais tout est en train de changer. Je l'avais jamais envisagé. Kim, je te jure que je ne suis pas amoureuse de Ted. Il est seulement mon meilleur ami. Et ce qui me fait vraiment peur, c'est de perdre mon meilleur ami. Jess, je vais me marier, je te laisse pas tomber. Et écoute, Kim, avec Jess, on se connaît depuis toujours. Et il n'y a jamais rien eu entre nous. Si c'était le cas, je le saurais. Ouais. Et puis, je l'ai vu, ton fiancé, et il a rien d'incroyable. C'est pas mon genre. Je suis vraiment désolée. Je suis un peu trop émotive en ce moment. C'est rien. Tu sais, à un mariage, il y a toujours des turbulences. Allez, on retourne à l'intérieur. Sers-toi de ta colère pour gagner. Ok. Il est bizarre, ce beurre de cacahuète. C'est du beurre d'amande. D'amande? Pourquoi des amandes plutôt que des cacahuètes? C'est moins gras. Ça va, c'est pas mauvais. Alors, de quoi est-ce que vous avez pris conscience? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai pris conscience de quelque chose? Bah, c'est évident. Vous êtes là un jour de repos, encore plus tôt que d'habitude. En plus, vous êtes en survêtement. C'est compliqué. Comment ça? Soit vous aimez Ted, soit vous ne l'aimez pas, c'est tout. C'est l'un ou l'autre? Non, c'est pire que ça. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas pris une chose en considération. Laquelle? On s'en fiche en fait de savoir ce que je ressens pour lui.
Hier, j'ai compris que oui, j'aime Ted. Je veux dire, plus qu'un ami. Parfait. Non. Parce qu'hier, je me suis aussi rendu compte que c'était pas réciproque. Oh. Eh ouais. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Et je pense à tout d'habitude, c'est bizarre. Je dois me faire vieux. Je préfère la cacahuète. J'ai la bouche sèche. C'est bien, je vois qu'on est passé des cupcakes au pop-corn pour le dîner. Au moins, c'était un légume, un jour. Ted doit venir, on va regarder des films d'horreur. La soirée film d'horreur de Ted et Jess, un classique. Ouais. Tu crois que vous pourrez perpétuer la tradition une fois qu'il sera marié? Je sais pas trop. Franchement, tu crois que tu laisserais ton mari faire une soirée film avec une autre femme? Peut-être pas, non. Tu sais, je dois t'avouer un truc. J'ai toujours cru que Ted était amoureux de toi. Sérieux? Ouais. Je sais pas trop pourquoi. À plus! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc sur le visage ou quoi? Non, c'est rien. Dis, tu l'aimes bien, Kim, hein? Ouais, ouais, elle est super sympa, elle te laisse passer la soirée avec moi. Oui, enfin, j'ai pas besoin de sa permission pour te voir. Et puis bon, je crois qu'elle préfère que je sois là plutôt que j'aille enterrer ma vie de garçon. Ouais, forcément, oui. Vu qu'on est juste amis et que j'ai pas prévu de te faire un striptease. Voilà, l'autre jour, on est sortis et Kim m'a acheté un café. Super. Non, mais elle a pris un café avec du lait entier et une tonne de sucre. Oh, mais tu le prends noir. Bah oui, je sais. Enfin, tu le prenais avec une tonne de lait et de sucre, puis t'as réduit à seulement 2 sucres avant de passer aux sucrètes parce que tu trouvais ça plus sain. Et en fin de compte, tu m'as carrément copié et tu t'es mis au café noir. Tu vois, toi, tu le sais. Oui, enfin, c'est pas grave qu'elle sache pas ce genre de détails. Non, mais tu vois, tu crois pas que deux personnes qui vont se marier devraient se connaître aussi bien que nous, on se connaît? Non, je crois pas que l'important ce soit depuis combien de temps vous vous connaissez, mais plutôt le temps que vous allez passer ensemble à vous découvrir. J'ai un gros avantage, j'ai quand même passé des années à apprendre à connaître, alors que Kim commence à peine. T'as raison. Oui, comme toujours. Bref, je vais devoir te laisser. Quoi? Faut que j'aille bosser. Non, il faut qu'on aille rejoindre les autres. Non, j'ai un gros projet qui vient de tomber pour un très gros client. Mais on va passer une super soirée. Ça, oui, et sûrement jusqu'au matin. Mais et pourquoi t'es venu à la soirée film, alors? Mais parce que j'adore nos soirées film. Oui, mais on aurait pu aller rejoindre les autres. Ouais, je sais. Mais je préfère largement passer du temps avec toi. Ouais. Moi aussi. Salut. Salut. Soirée film d'horreur. Ok. Oui, mais il faut que j'y aille. Oh, je voudrais pas vous interrompre. Oh non, tu nous interromps pas du tout. Il doit aller travailler, il a une présentation. Ok, alors, vas-y, si t'as du boulot. Oui, bon. J'aimerais rester, désolé. Passe le bonjour aux autres et je me rattraperai. Ça marche. Il s'est passé quoi, là? Quoi? Mais pourquoi? Je te l'avais bien dit. Il est à fond sur toi. Alors, bon courage. Je vais dans ma chambre. Ha ha ha.
Et ce type déguisé en Marilyn Monroe au bal d'Halloween du lycée. Oh ouais, il avait mis des ballons dans sa robe pour faire les seins. Oui, il était tombé des gradins et il avait rebondi avant de se retrouver avec sa robe sur la tête. Ouais. C'était quoi son nom, tu te rappelles? Je m'en souviens plus. Jess doit le savoir. Jess? Jess? Quoi? Comment il s'appelait le type déguisé en Marilyn Monroe au bal d'Halloween du lycée? Oh, Ben, je sais plus. Ouais, c'est ça! Ben Scott! Ben Scott! Oui, il était génial! Jess? Ça va? Moi? Oui, toi, ça va? T'as l'air ailleurs. Oh, c'est rien, je pense encore aux préparatifs du mariage. Il paraît que tu t'es battue avec Kim l'autre jour. Oh. Non, on s'est pas battu. On parlait, c'est tout. Elle avait repris son rôle de peste en chef du lycée, c'est ça? Non, pas du tout. Kim est... Elle est vraiment devenue gentille. Oh, oui, bien sûr. Oh. Elle fait semblant, c'est clair. Non, je vous jure, elle a changé. On ne change jamais les rayures d'un zèbre. Pourquoi vous vous disputiez si elle est devenue si gentille? Kim croit que... Elle croit que je suis amoureuse de Ted. Ok, et alors? Eh bien, ils vont se marier, donc c'est logique qu'elle n'ait pas envie que je sois amoureuse de son fiancé. Nous, on croyait que c'était toi qui allais l'épouser. Quoi? C'est vrai. Oh, jamais. Tout le lycée pensait la même chose. Vous étiez tout le temps ensemble. Avant les cours, au déjeuner, après les cours, en permanence. Il y a toujours eu un truc entre vous. Non, on est seulement amis. Et il va épouser ses tordures. Puisque je vous dis qu'elle est devenue gentille, arrêtez. Chad aussi croyait qu'elle était gentille. Oh. Chad Martins du lycée, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle est sérieuse. Je... Hey! Elle l'a trompé, Jess. Elle lui a brisé le cœur. Je croyais que tout le monde le savait. Oui, elle a trompé Chad avec Sammy. Alors qu'à l'époque, c'était son ex. Et Kim a fait comme si de rien n'était, alors qu'elle a pris son cœur et elle l'a jeté à la poubelle. Je te l'ai dit, on ne change jamais les rayures d'un zèbre. J'arrive pas à croire que t'es sur le point de te marier. T'arrives pas à le croire? C'est moi qui vais être devant l'hôtel. Je me souviens encore de l'époque où on imaginait qui en allait épouser. Oui, je m'en souviens. Des stars de cinéma, des riches sportifs, un prince d'un pays étranger. Big Ted. Hey! Bon, d'accord. Je sais que Ted était pas le plus cool du lycée. Ouais, ça, tu peux le dire. Mais les gens grandissent. Ils évoluent, ils changent. Vous pourriez peut-être, je sais pas, vous réjouir que Ted soit devenu mon prince charmant? Non, pas aujourd'hui. D'accord, vous pourriez au moins sourire un peu. Ça ira. Kimberly Kentwood. Melinda! Alors, qu'est-ce que ça donne? Sublime. La plus belle robe que j'ai jamais faite. Ah oui? Vous avez hâte de l'essayer? Trop hâte. Suivez-moi. Vous m'attendez. C'est bon, tu peux arrêter de sourire. Ah, enfin, c'était affreux. Qu'est-ce que t'en dis? Elle est magnifique. Elle a déjà une robe, tu sais. C'est une séance d'essayage. Pas pour Kim, pour moi. Tu devrais peut-être te trouver un petit ami avant une robe de mariée. T'es pas obligée d'être aussi méchante. Oui, c'est vrai. Je suis désolée. Ton mariage sera incroyable et cette robe sera parfaite. Merci. Mais tu vois, en ce moment, tout le monde se marie. Ouais, je sais. Même Big Ted va se marier avant nous. Et avec notre meilleure amie. Et ça, je l'avais pas vu venir. J'étais convaincue qu'elle et Mark se remettraient ensemble. Pour être tout à fait honnête, moi aussi. Ils étaient comme faits l'un pour l'autre. Elle arrive, viens, viens. Alors? Oh, Kimberly. Qu'est-ce que vous en dites? Kim, t'es vraiment superbe. Éblouissante, je te jure. Merci, les filles. Megan, tu vas pas pleurer?
Non, c'est rien. Je suis tellement heureuse pour toi. Oui, moi aussi. Ted est un type génial. Il s'entend bien avec tout le monde. Ouais, c'est pas étonnant qu'il se marie et que nous, on soit seuls. Oh, tu finiras par trouver quelqu'un. On discutait avec Lorraine et... Et on est vraiment super contente pour toi. Super contente. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, je vous connais, dites-moi ce qui va pas. Le plus important pour nous, c'est que tu sois heureuse. Et tout ce qu'on veut, c'est te protéger. Pendant tout le lycée, tu as fait en sorte qu'on soit traités comme des princesses. Et ça, on l'oubliera jamais. Les filles, c'est normal, vous êtes comme ma famille, toutes les deux. Et on ressent la même chose. C'est pour ça qu'on veut s'assurer que tu es réellement prête à passer à l'étape suivante. On a déjà parlé de tout ça. Je suis prête, je suis totalement prête. On s'inquiète parce que c'est arrivé si vite. Et tous les deux, vous êtes tellement différents. Tellement différents. Avec Lorraine, on s'est toujours dit que toi et Marc, vous étiez faits l'un pour l'autre. Tu es sûre que tu ne te précipites pas là-dedans pour essayer de l'oublier? Non, Ted est... C'est l'homme que toutes les filles rêvent d'avoir. Mais est-ce que c'est l'homme dont toi, tu rêves? Marc comprenait Kimberly Kentwood et il te connaissait mieux que personne. Vous discutiez pendant des heures. C'est clair. De quoi est-ce que vous parlez avec Ted? J'en sais rien. Plein de choses. Du mariage. Et t'as pensé à après le mariage? Arrêtez les filles, Ted est... Ted est parfait. C'est un homme généreux, attentionné, drôle et... Oui, c'est vrai. Mais tu pourrais quand même appeler Marc pour vérifier qu'il n'y a plus rien entre vous. Et si tu lui parles et que tu penses toujours que Ted est le bon, alors on sera à ton mariage avec nos beaux sourires. Et ils seront sincères, c'est promis. Non. Non, c'est hors de question. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as à perdre? J'ai venu déposer ton smoking. Kim? Y a quelqu'un? Ted? Ted est vraiment un mec génial, mais je me pose des questions, tu vois. Mes amis arrêtent pas de me dire que ça va passer, mais si c'était pas le cas? Si je faisais une erreur en épousant Ted? Non, bien sûr. J'avais besoin de parler un peu et tu me connais mieux que personne. Je sais. Moi aussi, je t'aime. Je dois y aller, je te rappelle. Jessica? Qu'est-ce que tu fais là? On change pas les rayures d'un zèbre. Oh. Écoute, je sais pas ce que t'as entendu, mais c'est pas du tout ce que tu crois. J'ai tout entendu! Tu comptes larguer Ted et retourner dans les bras de ton ex! Ok, Jess, tu es très loin du compte. Chérie, c'est moi. J'ai vu la voiture de Jess, elle est là?
Je dois le dire à Ted. Non, Jessica. Jess, s'il te plaît. Ted. Salut, Jess. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue déposer ton smoking. Ok, merci. Non, quand je suis arrivée, j'ai entendu un bruit, donc je suis montée voir dans ta chambre et... Respire, qu'est-ce qui se passe? Elle compte annuler le mariage. Elle compte quoi? Mais, Kim? Bien sûr que non. Elle raconte n'importe quoi. Oh, tu mens. Je t'ai entendu parler à ton ex. T'as des doutes sur votre couple. Je t'ai entendu lui dire que tu l'aimais. Bon, Kim, qu'est-ce qui se passe? Tu veux annuler le mariage? Bien sûr que non, je veux t'épouser. Sauf que... plus la date approche, plus je suis stressée. J'ai un peu paniqué. Mais c'est tout. T'es seulement stressée, rien d'autre. Oui. Moi aussi, bien sûr. Et c'est normal, c'est pas rien de se marier. Mais il faut que tu me parles. Ouais. Pas à ton ex, que tu aimes. Mais tu le détestes. Mais oui, je le déteste. C'est ce que j'ai essayé de dire à Jessica quand j'ai vu qu'elle m'écoutait. J'étais pas au téléphone avec mon ex. Je parlais avec mon père. C'était ton père? Oui. Toi, tu as Jessica, ok? Moi, quand j'ai besoin de parler, j'appelle toujours mon père. Non, désolée, moi j'y crois pas. Tiens, mon téléphone. Vas-y, regarde qui j'ai appelé en dernier. Oui, c'est bien ton père. Je te remercie. À quoi tu joues? Je suis désolée. Ted, je t'avais dit qu'elle était amoureuse de toi. Elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de nous séparer. Je vais y aller. Jess, Jessica, c'est quoi là dans ton sac? C'est l'acompte pour la réservation. Je t'avais dit qu'il leur fallait avant mardi. Attends, ça veut dire que pour le moment, on n'a nulle part où se marier, c'est ça? Je suis désolée, je vais tout arranger. Jessica, depuis le début, je fais de mon mieux pour que ça se passe bien entre nous. Alors je suis désolée d'avoir été la peste du lycée, de ne pas avoir été gentille avec toi. Et tu sais quoi? Je suis sincèrement désolée d'épouser ton meilleur ami. Et je suis même désolée que ce soit pas toi qu'il veuille épouser. Ted, je suis vraiment désolée. Ah. Elle est désolée. On doit se marier ce week-end et on n'a aucune réservation. Il va falloir faire mieux que désolée. Ouais, je crois que tu ferais mieux d'y aller. Et c'est pas la peine de venir ce week-end. Y a nulle part où aller de toute façon. Ah, t'es sûre? C'est peut-être un peu exagéré, non? Ah oui, tu trouves? Je vais surtout pas gâcher votre journée. Ah, pas plus que tu ne l'as déjà fait. Merci. T'inquiète pas. Je viendrai pas. Waouh! Je sais. Alors là? Oui, je sais. Là, je me suis vraiment plantée. D'habitude, je fais tout pour rester positif. Oh, oui, je sais. J'ai tout gâché alors que c'était pour mon meilleur ami. Qu'est-ce que je fais? Là, je crois que vous allez devoir vous débrouiller. Oui. Mais n'oubliez pas une chose. On ne peut pas réduire toute une vie à une simple erreur. La vie, c'est l'ensemble de toutes nos pensées, de toutes nos actions. Et il en va de même pour une relation. C'est vrai, je sais ce que je vais faire. C'est génial, merci beaucoup, vous êtes vraiment un vieux sage. Vous deviez me ramener. J'aurais dû vous écouter. Vous aviez raison pour Jessica, j'aurais pas dû la croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ted lui avait donné l'acompte pour la location et elle l'a pas déposé. Elle a réussi à complètement saboter le mariage. Elle était contre depuis le début, en fait. On t'avait prévenu, Kim? Je suis vraiment désolée qu'il ait fallu ça pour que tu le comprennes. Tu sais, Jess n'a jamais voulu que tu épouses Ted. Je croyais... qu'on avait oublié le passé.
Parfois, les gens ne voient pas ce qu'ils ont sous les yeux jusqu'à ce qu'ils risquent de le perdre. Jess devait sûrement être jalouse que tu te rapproches autant de Ted. Ce qui n'est pas de ta faute. C'est peut-être mieux comme ça. Quoi? Et tu peux m'expliquer en quoi c'est mieux? Mon mariage est tombé à l'eau, je te signale. Bah, pour commencer, ça va te laisser un peu de temps pour réfléchir. Tu dois penser à ce que tu vas faire ensuite. Ce qu'on va faire, moi et Ted, n'est-ce pas? Les filles, je vais épouser Ted. Il faut seulement qu'on trouve quand et où. Salut, Cam, c'est Jessica Parks. Oh, et tu te souviens de moi? Cool. Ça va, merci. Tu te souviens de ton mariage quand tu m'as dit que si j'avais besoin d'un service ou quoi que ce soit, j'avais qu'à t'appeler? Eh bien, on y est. Hey, salut Annie, c'est Jessica Parks. Oui, tu te souviens que tu me devais un service? Oui. Eh bien... Ça, ok. Allô? Bonjour Patrick, c'est Jessica. Oui, j'aurais besoin de vous. Attention à la position. Okay. Les épaules et le dos bien droits. Allez, vas-y. Très bien. Et le pied de devant un tout petit peu plus. Parfait. Impeccable. Attends, je reviens tout de suite. Ok. Mamie? Oh, Teddy. C'est mamie. J'espère que je ne te dérange pas, mon grand. Non, non, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui. Tu vas peut-être trouver ça ridicule, puisqu'on va déjà se voir demain pour ton mariage, mais... Est-ce que tu pourrais me rejoindre dans une heure? J'ai un petit cadeau pour toi. Oui, 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 bien sûr. Dis-moi où. Ok. Je suis vraiment désolé, mais il faut que j'y aille. D'accord. C'est ma grand-mère. Allô? Oh, Kimberly, ma chérie, c'est la grand-mère de Ted. Oh, ça me fait plaisir que vous m'appeliez. Est-ce que tout va bien? Oh, oui, ça va. Tout va bien. J'aimerais que vous fassiez un petit quelque chose pour moi. Kim? Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ben, ta grand-mère m'a dit que tu voulais que je te rejoigne ici. Ok, c'est bizarre. Tout à l'heure, elle m'a appelé, moi, pour que je vienne la rejoindre ici, justement. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Oh! Désolée de vous avoir menti, mais nous voulions être sûrs que vous soyez là tous les deux. Et qu'est-ce qu'on fabrique ici, au juste? Vous êtes Ted Cooper du mariage Cooper-Kentwood? Oui, et qui êtes-vous? Eh bien, je travaille au château Saint-Joseph. Et quelqu'un a appelé mon patron, enfin, plutôt le patron du patron de mon patron. Et elle a tiré quelques ficelles. Mais comment ça? De quoi vous parlez? On ne fait plus ça, normalement. Mais voici l'autorisation de célébrer votre mariage ici, demain. Ici? Oui. On a le droit de se marier ici? Oui. On va se marier ici? Tenez, vous n'avez qu'à signer. Quoi? L'acompte a déjà été versé. Merci beaucoup. L'endroit est à vous de 10h à minuit. J'espère que ça suffira. Oui, évidemment que ça va suffire. Comme je l'ai dit à la dame au téléphone, c'est à vous de gérer votre matériel, table, chaise, etc. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ted, j'avais dit à Jess que je rêvais de me marier ici. J'arrive pas à croire qu'il y est arrivé. Apparemment, beaucoup de gens lui étaient redevables d'avoir organisé leur mariage ces dernières années. Alors, elle a appelé tous ceux qui lui devaient un service. Il faut prévenir vos invités que le lieu a changé. Jess a trouvé du monde pour tout installer. On va s'occuper de rendre cet endroit magnifique pour demain matin. Je suis trop contente. Je vais faire le tour. Okay. Elle est vraiment unique. Oui, oui, ça c'est sûr.
je parlais de Jess. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Jess vous en est très reconnaissante. Écoutez, nous n'avons vraiment que quelques heures pour préparer cet endroit. Alors, en piste. Voilà. Attention à la marche. Bonjour. Et voilà. Merci. Bonjour. Merci. De rien. C'est bon. Vous êtes ici incognito? Je veux que tout soit parfait, mais je ne veux pas que Ted et Kim me voient. Ils vous pardonneront. C'est pour vous. On passe à l'action. Oui, on va les disposer comme ça. C'est très bien, les filles, très bien. Ça va ? Oui, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Patrick ? Oui ? Oui, il faut bien qu'il y ait une composition florale sur chaque table. Kim adore ces fleurs. Ça marche. Oh, et déplacez la table des cadeaux. Elle est trop proche des autres. Bien reçu. Patrick. D'accord. Oui. Allez voir Doris, je crois qu'elle arrache encore des pétales. Doris, ça suffit avec les fleurs. Oh, mais... Ça suffit. Remets les fleurs sur la table, s'il te plaît. Là. Ici. Vous avez entendu quelque chose? Non. Non. Bon, j'ai dû rêver. Le gâteau arrive. Très bon. J'adore ces roses. Oh, oh. Pas toi. Il est vraiment superbe. Wow. C'est un merci. On a eu chaud. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je n'en ai aucune idée. Juste là, s'il te plaît. Oui, ça marche. C'est bon. Chut, comment ça se passe? Oh, impeccable, ça va être super. Mais écoutez-moi, nous avons un gros problème. Là derrière. Mais pourquoi est-ce que vous poussez comme ça? Je suis paniquée, je suis désolée. Vous auriez pu me démettre la hanche. C'est pas vrai, Kim vient par ici. Il faut que je vous dise quelque chose. Oncle Jack, ça me fait plaisir de t'avoir. Je sais, c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas venir. C'était marrant. Ouais, on s'éclate. Bon, nous avons un problème. Oh non, Doris drague encore le traiteur. Non, enfin, peut-être. La grand-mère de Ted est ivre. Non, mais pourquoi elle serait ivre? Eh bien, elle, vous voyez. Oh, c'est trop gentil, merci, oncle Jack. Oui, je te le promets. On viendra vous voir dès que ce sera possible avec Ted, d'accord? Oui, ok. À bientôt, gros bisous. Oh, on a eu chaud. Il faut vraiment que vous m'écoutiez, on a un problème. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne sait où est Ted. On sait pas où est Ted. On sait pas où est Ted. La sacra. Jessica. Madame Cooper.
Jessica, je suis contente de te voir. Vous n'avez pas trouvé Ted? On a cherché partout. Il n'est ni chez lui, ni à la salle de sport. J'imagine que vous l'avez appelé. On tombe sur sa messagerie. Oh. Jessica, je sais que vous vous êtes disputée, mais tu le connais mieux que personne. Alors, est-ce que tu as la moindre idée d'où il pourrait se cacher? Ouais, j'ai peut-être une idée. Je vais aller voir s'il est là-bas. Retardez la cérémonie, je le ramène le plus vite possible. S'il te plaît, Jessica, retrouve-le. J'y vais. Je crois que je sais où est Ted. Vous avez les clés du van? Non. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan B. Ted, c'est dingue de se croiser ici, hein? T'es toujours fâché? Non. Génial. T'as un point pour Jess. Non, pas de point pour Jess. Ok, t'as réussi à avoir le château dont Kim rêvait, mais tout le reste, c'était n'importe quoi. Je l'ai pas fait exprès. Je sais. Tu l'as accusé de me tromper et de vouloir me quitter juste avant qu'on se marie. Ouais. Là, d'accord, je marque pas de points. J'y vais trop dans le passé. Notre passé. En fait, j'étais convaincue que Kim était toujours la fille odieuse qu'elle était au lycée. Tu vois? Mais non, elle est plus du tout comme ça. Il faut savoir accepter que les gens peuvent changer. Qu'ils sont capables de s'améliorer, et moi, j'ai refusé d'y croire. J'aurais dû apprendre à la connaître. Ouais. Mais t'es pas la seule. Comment ça? Ce mariage, il est trop précipité. Mais le coup de foudre, ça existe, tu sais. Ouais. J'adore l'idée d'épouser Kim, tu vois? J'étais trop dans le passé, moi aussi. Je me voyais comme Big Ted. Alors, la reine du lycée qui voulait sortir avec moi et m'épouser, c'était... Arrête, t'es plus Big Ted. Depuis des années. Et puis même à l'époque, t'étais le mec le plus cool de tout le lycée. Tu crois que je serais restée si longtemps, sinon? Tu sais, que tu sois Big Ted ou Ted riche et trop musclé... T'es toujours Ted. Et tu es un mec intelligent, drôle, sympa, génial. Et qui a aussi un peu peur des films d'horreur. Tu es ma meilleure amie. Et rien que qu'imaginer que tu serais pas à mon mariage, ça m'a achevé. Moi aussi. Mais je suis là. Et il est pas trop tard pour aller parler à Kim et vous expliquer avant le mariage. C'est ça le souci. Je suis pas sûr que Kim soit celle que je devrais épouser. J'en sais rien, Jess. Et t'en penses quoi, toi? Je devrais épouser Kim? Cette décision est beaucoup trop importante pour que je la prenne pour toi. Tu sais, l'autre jour, Kim m'a dit que tu étais amoureuse de moi. C'est vrai?
Est-ce que tu m'aimes? Ted. Bien sûr que je t'aime. Mais comme un ami, comme un meilleur ami. Va épouser la reine du lycée. Et en tant que témoin, il est de mon devoir de t'informer qu'il y a une femme absolument incroyable qui n'attend que toi. Et aussi, et qu'il paraît que tu vas te marier dans un endroit magnifiquement décoré qui a nécessité que je réclame tous les services qu'on me devait depuis des années. Et c'est mon job de t'emmener là-bas, coûte que coûte. C'est parti. Ok. Je vais y arriver. C'est bon. On y va, t'es prêt? Oui. Les yeux, tu dois pas voir la mariée avant la cérémonie. Ah. Oh. Pourquoi? Kim? Ted? Ah. Non, c'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Je savais que tu serais avec elle. Non. Kim, je t'assure qu'il s'est rien passé entre... C'est pas ce que je voulais dire. C'était évident que la seule personne qui allait être capable de retrouver Ted, c'était toi, Jess. Je suis vraiment désolé d'être en retard, je... Non, en fait, c'est une bonne chose. Pendant que j'étais là, à t'attendre, j'ai pu réfléchir. Et... Je crois qu'il faut qu'on essaye d'être honnête envers les autres et envers nous-mêmes. Comment ça? On est allés trop vite, tous les deux. Et oui, oui, je t'aime beaucoup, Ted, mais... Je suis pas tout à fait sûre d'être... d'être amoureuse de toi. Et franchement, je crois que de ton côté, tu ressens la même chose. Ok, alors... On continue de se voir et on repousse le mariage, voilà. Ted... Je vous ai observés tous les deux pendant qu'on préparait le mariage ces dernières semaines, et sincèrement... J'aimerais avoir ce que vous avez. Je cherche pas à te blesser. Je veux seulement être honnête avec toi, et... Pour la première fois, je veux aussi... être honnête avec moi-même. J'étais vraiment odieuse au lycée. Et épouser Big Ted... Ça aurait prouvé à tout le monde que j'avais changé. Mais je crois pas que ce soit une bonne façon d'entamer une vie à deux, loin de là. Tu comprends? Big Ted est la reine du lycée, qui l'eût cru? Je dois bien avouer que t'as raison. Ouais. Et il est temps que vous arrêtiez de vous voiler la face tous les deux, d'accord? Je vous ai vus ensemble, et c'est évident qu'il y a bien plus que de l'amitié entre vous. Je suis désolée d'avoir été méchante avec toi. Pas seulement au paintball ou chez Ted, je suis désolée pour toutes les fois où j'ai été méchante. Merci. Je crois qu'il n'y a rien de pire que les regrets. Alors, vous devriez vraiment essayer de tirer au clair ce qu'il y a entre vous.
alors, et maintenant? Il faut qu'on en parle. Ted? Mais où étais-tu passé? Maman. Et Kim? Est-ce qu'elle s'en va? Oui. Désolée, maman, mais... on va pas se marier. Oh, mon petit cœur. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. T'en fais pas. En fait, Kim n'était pas... elle n'est pas celle qui est faite pour moi. C'est mieux que tu t'en sois rendu compte maintenant. Plutôt qu'après des années de mariage. Merci beaucoup. Merci d'avoir retrouvé mon petit Teddy Nours. Teddy Nours? Arrête. C'est nouveau? Non, ou... arrête. Pourquoi j'étais non, pas au courant? Non, 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 non. Et pourquoi tu arrête. Me l'as jamais dit? Mais parce que c'est pas mon surnom. Il est trop bon ce gâteau. Je crois que c'est le plus beau de tous les mariages que t'as organisé, sauf que personne s'est marié. Pour toi, je serais prête à organiser une tasse de non-mariage. Je vais quand même être payée, hein. Heureusement que c'est pas toujours un désastre, hein. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Toi, tu sais à quoi je pense? Je crois que oui. Si quelqu'un le sait, ça ne peut être que toi. À quoi tu penses? Que j'ai du mal à lutter contre mon envie. D'écraser ce gâteau sur ton visage. C'est exactement ce que j'avais en tête. Comme je l'ai déjà dit, j'adore les mariages. Je pourrais y passer toute ma vie. C'est magique quand des familles et des amis se réunissent pour voir deux personnes se promettre de s'aimer pour toujours. J'aime tellement les mariages que je les organise jusqu'au moindre détail. Mais ça, je ne l'avais pas prévu. Enfin, je crois.